Nor, j'ai trouvé TAPCON 1. Ça a l'air abandonné. Trouve un moyen d'entrer. Notre passé peut être enterré là-bas. Faut remettre le courant. Redémarrage des serveurs. Système en ligne. Tentative de reconnexion au serveur de la RDA. On y voit plus clair. C'est vraiment flippant ici. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Je vais aller jeter un œil. C'est peut-être lié à...
Hey, j'ai trouvé des cages. Et des chaînes. Pour les animaux ou les gens? C'est horrible, Nor. On dirait qu'ils ont mis des Na'vi en cage. Il y a une porte plus loin. Une prison. Mais qui ont-ils amené là-bas? Je ne sais pas. Je vais voir ce que je peux trouver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me demande si... traités comme des animaux, nettoyés et désinfectés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait des enfants Na'vi, Nor. Ils ont fait un dessin. Sur le mur. Alors c'est une autre école de la tape? Ça n'a pas l'air d'être une école. Il y a des lits de fortune. Tout est vieux et cassé, alors c'est difficile à dire. Mes souvenirs sont flous. Continue à chercher. Il nous faut plus de réponses. Nor, je... Qu'est-ce qu'il y a? Cet endroit était une prison. Pas une école. Ils nous ont emmenés ici enchaînés et ont pris toutes nos affaires. Comme des animaux. Ils nous ont privés de tout ce qui était Na'vi, y compris notre famille. Les douches. Pire que celle de l'école. Je peux encore sentir le désinfectant qu'ils utilisaient sur nous. Ils disaient toujours qu'on était sales. Je me souviens de ce gamin qui se lavait toujours les mains. Mercer voulait effacer notre identité Na'vi, dénaturer Pandora. Apparemment, tout a commencé ici. Il y avait des lits pour les enfants. Nor, on devait être terrifiés. Je vais voir ce qu'ils nous ont caché d'autre. C'est inaudible. Je comprends pas. Un labo.
odeur chimique m'évoque crainte et douleur. Des échantillons de sang. Ça nous faisait pleurer à chaque fois. Nord, tu es là? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? C'est Ahari. Il... Ahari? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai trouvé une photo. Et son dossier rempli de notes. Ils avaient écrit « Perturbatrice ». Qu'elle n'était qu'une professeure, qu'elle prenait soin de nous. C'est ce qu'on pensait, mais on n'était que des enfants, après tout. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Tu penses? Comme quoi? Cet endroit a quelque chose d'étrange. Pourquoi l'ont-ils abandonné? Que s'est-il passé? Tu as raison. Il faut que j'en sache plus. C'était quoi? C'est trop tard pour faire marche arrière. Est-ce que c'était... Non, c'est pas clair.
Tu ne me croiras jamais. Dis toujours. C'est la cuve de croissance d'Alma. C'est là qu'ils ont créé son corps Na'vi. Son avatar, tu veux dire. Elle n'est pas Na'vi. Elle nous porte comme un manteau. Cette voix, qui c'est ? Je viens de ce bureau. Je dois y entrer.
L'alarme a dû être déclenchée. Nor, je crois que je suis dans le bureau d'Alma. Il y a un enregistrement. Je vais voir si j'arrive à tout écouter. Peut-être qu'Alma détient quelques réponses. T'as vu comment les vétérans ont pris la grosse tête? Oh non, ça craint! Thank you.
nettement mieux à faire longtemps. La RDA. Ils ont dû être alertés quand le courant est revenu. Mais je m'en suis sorti. Cet endroit est horrible, Marl. Je suis désolé que tu y sois, Alessel. Mais nous devions savoir. Alma a laissé des enregistrements. Elle parle aussi d'un point de rendez-vous. L'Assemblée Salento. L'Assemblée Salento. Je m'en souviens. Comme un vieux souvenir qu'ils avaient effacé. Je crois que c'est là qu'ils nous ont capturés. Je vais aller là-bas. Tu vas rentrer chez nous. Peut-être. On va d'abord voir ce que j'y trouve. On est si proches. Thank you.
Noel, je suis arrivé et... Et ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un endroit désolé, Noel. Notre peuple est-il vraiment venu ici ? C'est pourri par le Yahvé. Rien ne pousse. J'aurais voulu être là. Y a-t-il des choses qui nous appartiennent ? Pourquoi Alma est allée là-bas ? Le Kamethile lui aurait menti ? C'était il y a si longtemps. Peut-être qu'il n'y a rien à trouver. Une autre impasse. Je vais regarder de plus près. Ne désespère pas. Oh, Nor, il y a des peintures rupestres et des jouets. Tout cela m'est étrangement familier. Ça doit être l'assemblée des Salento. Je me souviens des pierres décorées de nos histoires. Des silhouettes dansaient à la lueur du feu. Nous jouions en famille. En revoyant tout ça, j'ai l'impression de remonter le temps. J'ai trouvé des choses merveilleuses. Dis-moi. Des présents des Kamethile. De magnifiques artefacts. Les autres clans offraient des présents à notre départ. Enfin, on était impatients de les recevoir. J'aimerais m'en souvenir. Mais, surtout, j'ai trouvé les fioles d'Atufi. Intactes dans des paniers. Alors, ils n'ont même pas utilisé les médicaments offerts par Atufi. Toutes ces balles tirées. La RDA et les Salento se sont affrontés ici, Nol. Mercer. Ce doit être l'endroit dont a parlé Alma. Les Salento vivaient ici. L'embuscade parfaite. Je crois bien. Et maintenant, il ne reste plus que des vestiges de ceux que nous aimions. Je vais continuer à chercher. Couverture. Cette odeur. C'est elle. Ça, non. Zene hibahao. Smuke pese. Aha di worko laf teli man si bunubor. Ta sunung ar wei wai telem kefya. Torola yung ar lora wai telemanim. Te burit ne yapi bai. Nor, je me souviens de tout. Quoi ? Comment ça ? J'étais dans les bras de ma mère. Il y a encore son odeur sur la couverture que j'ai trouvée. Elle m'enroulait dedans quand j'étais enfant. Ça m'a ramené en arrière. Nous jouions aux côtés de nos parents. La dernière fois qu'on était tous
Oui. Heureux. Ahari était là. Ma mère souriait. Mais ensuite, elle a semblé effrayée. Elle m'a protégé. Et puis, plus rien. On doit découvrir ce qui s'est passé après. On dirait bien. Et Alma, quel était son rôle dans tout ça? Elle nous doit des réponses. Avant, je dois dire à Atoufi qu'elle n'a pas empoisonné les Sarentu. C'était la RDA depuis le début. Et un Kametire... Les Kametire seront enfin libérés de sa trahison. Est-ce qu'on pourra en dire autant d'Alma? Où es-tu? Ah, te voilà. Wow, quelque chose t'a fait peur? Tiens. Reprendre les armes s'il le faut. Te revoilà.
J'ai cru que le Yahvé t'avait emporté. Ça veut dire que l'expérience a marché. Voilà qui est intéressant. Oui, ça a marché. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tout va mal. Elle est dans le cercle des ancêtres. Elle cherche. Tout le monde demande pourquoi. Et Mokassa... Attends, calme-toi. Qui est dans le cercle des ancêtres? Atufi. De voir un Sarentu en vie, ça a éveillé quelque chose en elle. Elle est en Eiwa. Elle fouille ses souvenirs pour comprendre pourquoi tu es en vie. Mais ça fait des jours maintenant. Ne t'inquiète pas, je connais la vérité. Peut-être que Mokassa avait raison. Elle était trop fragile. Et je t'ai dit d'aller la voir. Je pensais vraiment que c'était la bonne chose à faire. Mais Okur, je te dis que j'ai une preuve. J'ai trouvé ces potions. Elles n'étaient pas ouvertes. J'ai aussi trouvé des restes de ceux qui viennent du ciel et de leurs armes. C'est eux qui ont tué les Sarentu, pas Atufi. Je ne sais pas quoi dire, mais quel réconfort pour Atufi. Je suis à la fois triste et soulagé. C'est vraiment vrai? Oui. J'ai une fiole avec moi. Mokassa va revenir. On doit le dire à Atufi avant qu'il nous empêche. Dépêche-toi! Laissez-la! Arrêtez! Vous ne voyez donc pas qu'elle est épuisée? Atufi, il faut que tu rentres pour te réfugier dans ta solitude et ta méditation. Atufi, je t'en prie, écoute-moi. Tu n'as pas tué les Sarentu. Ce n'est rien d'autre que des mensonges. C'était ceux qui viennent du ciel. J'aurais aimé que ce soit vrai. Mais j'ai vu ces fioles qu'ils serraient dans leurs mains froides. J'ai vu leurs lèvres noircies. Non, je les ai trouvés, intacts, au milieu des balles qui ont décimé mon peuple. Mon enfant, comment savais-tu que ça ne te ferait aucun mal? Les nôtres ont toujours été des soigneurs. Je n'ai jamais cessé d'y croire. C'est toi qui as trouvé les preuves qui m'ont rendu coupable, Mokassa. Montre-moi. Atufi, vas-tu vraiment croire les étrangers? Je suis ton conseiller, et tu me demandes de... C'est un ordre que je te donne. J'en ai assez vu. Mokassa, c'est toi qui as trahi les Sarentu. C'était leurs enfants ou les nôtres. Je n'avais pas le choix. J'ai porté ce fardeau. Je me suis séparé d'Eiwa pour cacher la vérité. Vas-tu vraiment me juger? Tu nous as fait douter de nos traditions, de notre raison d'être. Je t'ai sauvé! Tu les as tués! Un clan tout entier! Nos amis! Mokassa! Tu es à présent banni d'Eiwa, ainsi que du cercle des ancêtres. Si tu désobéis, nous le saurons. Maintenant, quitte notre clan et que la honte t'accompagne. Traître.
Comment as-tu pu? Tu nous as fait un grand cadeau. Tu nous as redonné foi en nos traditions. Désormais, elles vivront à travers toi, Okul. Aujourd'hui, nous sommes remplis de chagrin. Mais nous allons tout de même soigner tes guerriers. Je vais te dire où ils se trouvent. Mon enfant, nous le savons. Je te rejoindrai là-bas. Je peux sentir sa chaleur.